Et les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte, mes impressions à propos de la bêta de Monster Hunter World qui sortira le 26 janvier de l'année prochaine sur PS4 et Xbox One. Ici, c'est une version bêta disponible pour les abonnés PS Plus, donc uniquement sur PlayStation. Et ben, quand j'ai essayé la bêta, quand je l'ai terminée, je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse une vidéo pour vous faire découvrir ce jeu qui est absolument extraordinaire. Au niveau du menu, vous l'avez vu, on peut jouer en solo et en multijoueur toutes les missions qui sont proposées dans cette bêta. Vous avez une aire d'entraînement pour essayer ben, tous les types d'armes et vous avez des petites options pour régler les affichages, les langues, etc. Chose assez sympa dans le jeu, c'est qu'il peut être entièrement français au niveau des voix et des textes. Alors, dans cette bêta, vous ne pourrez pas créer votre personnage à 100%. Vous devrez utiliser des modèles qui sont prédéfinis. Mais ça laisse quand même voir que les détails sur les visages des personnages que l'on pourra créer, eh bien, il y a quand même moyen de faire quelque chose de vraiment très sympa. Je trouve que le visuel est quand même super bien réussi en comparaison avec d'autres jeux qui le proposent. Parfois les visages sont assez ratés, ici c'est pas du tout le cas. On peut faire vraiment quelque chose de très très sympa. Alors que ce soit bien sûr au niveau masculin ou féminin, on pourra paramétrer ben, le visuel de notre personnage comme on le souhaite. Je suppose qu'il y aura beaucoup beaucoup de possibilités. Alors une fois que vous avez fait ça, vous donnez un nom comme d'habitude à votre personnage. Et une fois cela fait, vous devrez également faire le même pour votre compagnon, pour le palico, qui est votre compagnon, qui ben, il sera toujours avec vous pour vous donner un petit coup de main pendant l'aventure. Et vous verrez que ils sont très très utile. Alors ils sont super mignons. On pourra bien sûr les paramétrer un petit peu comme on veut visuellement. Vous voyez les détails sur les poils, etc. Il y a quand même un travail qui est vraiment de haute volée. Surtout que bon, Monster Hunter, c'est un jeu, on peut dire, à monde ouvert, avec des grandes zones à visiter. Et vous allez voir que visuellement, le jeu, il est quand même ultra impressionnant. Je le trouvais qui est déjà beau dans les vidéos et trailers de présentation, mais quand vous y jouez manette en main, croyez-moi, c'est ultra impressionnant. Alors votre palico, comme pour votre personnage, vous pouvez le nommer et vous êtes parti pour l'aventure. Il vous reste simplement à choisir votre équipement de départ. Alors ici évidemment qui dit bêta, ben, ils vous mettent ben, des armures et des armes à haut level à disposition pour dire de bien profiter du jeu. Alors vous avez donc les trois missions qui sont proposées, une facile pour débutants, une intermédiaire et une expert. Alors comme je vous l'ai dit, avant de partir à l'aventure, ils vous devra sélectionner ben, votre équipement. Alors pour cette bêta, vous avez énormément de choses à disposition. Alors il faut savoir, pour ceux qui n'ont jamais joué à Monster Hunter, il y a vraiment beaucoup d'armes à disposition. Ici, il y en a déjà ben, 13, même plus, il y en a 16 qui sont disponibles dans le jeu. Je ne sais pas quel sera le nombre exact dans la version finale, mais il y en a vraiment énormément. Ça va de l'arme très puissante, très lourde, à l'arme à distance, en passant par les armes légères et rapides. Donc il y a vraiment tout type de gameplay. Au niveau des armures, ben, les skins, ils sont super jolis. Ça, moi, j'apprécie beaucoup dans ce genre de jeu, que les skins d'armure doivent être très sympas. Ça me fait. Ça me procure beaucoup de plaisir d'avoir un personnage qui a la classe, comme on dit. Et ça rend évidemment le tout immersif. Alors vous avez au niveau des équipements, vous avez même des accessoires comme les colliers et les capes qui vous donneront divers bonus. Bon, ça je vous laisse découvrir. Il y a tellement d'objets à voir, etc. C'est ultra ultra fourni. Mais c'est un petit peu la marque de fabrique de Monster Hunter. C'est un jeu où on a l'impression finalement qu'on n'a jamais trop fait le tour, tellement il y a des choses à crafter, à gagner. C'est vraiment impressionnant. Alors vous pouvez faire le même avec votre palico.
et l'habiller un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi voir avec le coffre qui est prédéfini dans cette bêta. Et une fois prêt, nous sommes partis pour la première mission, la mission la plus facile, réserve aux 10 boutons, de niveau 2 si je me souviens bien. Et vous allez voir que la mécanique de jeu est quand même assez bien pensée. Les temps de chargement, j'ai noté qu'ils étaient assez légers. Il faudra voir au niveau de la version finale. Alors vous avez vu ici un petit message en début. J'ai une limite de temps, j'ai 20 minutes pour chasser le monstre. Si vous dépassez ce temps, la chasse est ratée et vous devez totalement recommencer. Alors, avant de démarrer, on vous explique que vous avez une carte que vous pouvez consulter quand vous le voulez. Notez sur la gauche qu'on remarque qu'il y a divers niveaux sur la carte. Donc, Monster Hunter est bien un monde, bien sûr, horizontal via ses vastes vallées, etc. Mais aussi en profondeur et en hauteur, vous allez vraiment devoir crapahuter dans tous les sens dans Monster Hunter. Alors voilà. Ici, j'ai pris connaissance où se trouvait ma cible. Et vous allez voir que tout le gameplay de recherche est basé au niveau des lucioles qui vont vous diriger vers votre proie tout en essayant de vous montrer les empreintes, etc., les dépôts faits par la créature que vous devez chasser. Et quand vous avez réuni assez de données, eh bien, c'est que vous êtes très proche de votre chasse et vous pourrez affronter le monstre. D'abord, attardons-nous visuellement de ce qu'on voit. Moi, j'ai pris une énorme claque lorsque je suis rentré dans ce monde que je trouve ultra vivant. Regardez, ça bouge de tous les côtés. Il y a des créatures herbivores autour de nous là. Vous allez voir, il y a ça fourmille de détails. La végétation, elle est super bien faite. L'ambiance sonore, elle est juste immersive à souhait. Il y a même un cycle jour-nuit. J'ai remarqué que la journée passée dans les autres missions, vous verrez ça peut-être. Je trouve que visuellement, le jeu, il envoie du lourd, surtout que c'est pas un petit jeu, quoi. C'est un jeu qui comporte de très très grandes zones. Et pour moi, c'est une prouesse technique de pouvoir afficher un tel niveau de détail sur PS4. Là, je rappelle que je suis sur PS4 normal. Je ne suis pas sur PS4 Pro ni sur Xbox One X, où l'on pourrait encore imaginer le jeu un poil plus beau encore. Donc voilà, ici je pars à ma petite quête d'empreintes grâce aux lucioles qui vont me montrer un maximum d'indices pour que je puisse trouver ma proie. Alors dans le jeu, vous pourrez bien sûr vous balader sans prendre de chasse. Ça, c'est comme dans tout Monster Hunter. Vous pouvez aller dans tous les niveaux quand vous le voulez, mais sans chasse, donc juste pour faire de la récolte, histoire de pouvoir construire des armes et des armures, ou des autres petites chasses sur des monstres intermédiaires. Et il y a aussi des monstres disponibles dans Monster Hunter qui ne font pas partie de chasse. Ce sont des monstres optionnels, etc., que vous pouvez rencontrer également en vous baladant. Comme vous verrez, on peut rencontrer d'autres monstres en chassant un monstre. Ça, c'est vraiment énorme. Donc c'est un monde qui vit vraiment, et nous on se balade dans ce monde. Donc ici on poursuit notre chasse. Notez que les lucioles au passage vous montrent aussi des petits points de récolte intéressants. Et plus vous trouvez des empreintes, etc., plus votre paquet de lucioles grossit. Vous voyez que mon paquet de lucioles devient très très gros. Ben, ça veut dire que j'avance bien dans ma recherche. Vous voyez la barre à droite qui se remplit au fur et à mesure du nombre d'empreintes que je trouve, jusqu'à finalement arriver à ma proie. Et vous verrez que c'est assez extraordinaire parce que les monstres sont animés d'une telle manière. C'est aussi une force de ce jeu. Ça les rend absolument vivants. On n'a pas vraiment la sensation de se battre contre un sprite. On a plus l'impression de se battre contre quelque chose de vivant. Et voilà. Voilà la bête, une espèce de gros iguane que je vais devoir terrasser. Le grand jagras. Et vous allez voir qu'il y a des petits jagras aussi que je dois maintenant terrasser pour finir ma mission. Je rappelle que j'ai 20 minutes maximum
Au-delà de ces 20 minutes dépassées, eh bien, la mission est ratée et il faut tout recommencer. Voilà, regardez-moi déjà ce visuel de bête. Regardez-moi cette animation. C'est vraiment extraordinaire. Alors, les monstres, lorsqu'on combat un monstre, il y a certains monstres qui sont en plusieurs phases. Soit à cause de l'énervement, ou si vous les blessez, etc. Ils changent de gameplay. Et à vous aussi de vous adapter au niveau de difficulté de la chasse à ce moment-là. Alors moi ici j'ai la grande hache, c'est une arme très très lourde, mais très puissante. C'est un style de gameplay qui me convient bien, parce qu'on peut facilement faire tomber les monstres qu'on doit tuer. Et si vous jouez à Monster Hunter, vous savez que c'est une des bases de la chasse, c'est de faire tomber les créatures pour pouvoir les attaquer à foison. Et là, elles ne vous font aucun dégât. Et c'est vraiment là que vous avez l'emprise sur la chasse. Vous voyez ici, elle commence à s'énerver et elle n'a plus son ventre gonflé. Elle devient vraiment très très agressive. Et voilà, la créature ne pardonne pas. Donc ici, c'est quand même une chasse facile. Vous voyez que au niveau des dégâts qu'elle me fait, c'est pas non plus très très élevé. Mais vous verrez, dans la troisième chasse, ça va devenir vraiment très difficile. Alors ici, chose intéressante, j'ai réussi à la faire embourber dans des lianes. Vous voyez que le décor jouera aussi en votre faveur ou en votre défaveur, ça dépend de la situation. Et là, elle est embourbée dans le décor et j'ai pu profiter pour un petit peu lui asséner des coups. Alors on voit que là, la créature a pris vraiment beaucoup de dégâts. Le grand Jargras s'enfuit et rebelote. Je reçois les lucioles qui vont me reconduire à lui directement. Alors il faut éviter de trop traîner parce que certaines créatures elles trouvent le moyen de se régénérer, soit en allant boire de l'eau, etc. Ou en mangeant, etc. Elles reprennent de la vie ou elles vont se cacher, etc. Donc il faut pas lâcher le bout quoi. Il faut vraiment être sans pitié et pourchasser jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous réussissiez à terminer la mission. Donc ici voilà, je vois qu'elle s'est réfugiée dans une grotte. Et là vous allez voir que l'intelligence artificielle, elle est quand même extraordinaire parce qu'il y a une raison à laquelle la créature s'est réfugiée dans cette grotte. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je poursuis ma récolte d'empreintes. Au passage, je vous montre ici qu'il y a une possibilité de communiquer entre les joueurs lorsque vous jouez en ligne. Et voilà, petite surprise. Je suis dans le nid du grand Jagras et il y a des petits Jagras qui sont apparus. Et ils vont essayer de défendre un petit peu leur maître. Voilà. Donc ça fait partie aussi de la chasse, hein. Il va falloir se débrouiller pour les tuer. Alors vous avez vu mon petit mystique ici, il a réussi à prendre le contrôle d'une des créatures. J'ai remarqué que lorsque vous avez un groupe de créatures et que vous les tuez, vous maîtrisez le groupe, la dernière survivante, grâce au palico, elle peut rejoindre votre équipe. Temporairement quoi. Vous allez voir que le palico peut s'en servir, il monte dessus, etc. comme un destrier. Bon, là je vous montre que c'est impossible de lui faire un dégât une fois qu'il rentre dans votre équipe. Vous voyez, il y a un petit logo qui fait que il est maîtrisé par votre palico. Donc là, il y a encore des petits Jagras qui défendent leur territoire. Voilà. Et là, pas de problème, le mien va attaquer. L'adversaire, il va me donner un coup de main. Voilà, il me donne un coup de main. Il fait partie intégrante de mon équipe. Donc on a dressé, si vous voulez, l'animal. Donc je reprends ma petite fouille d'empreintes, etc. Et j'arrive à retrouver le grand Jagras qui est très mal en point. Voilà. Qui est super super mal en point. Prêt à mourir, protégé par des petits Jagras. Voilà, vous voyez qu'il est. Espèce de grand iguane, hein. Il est prêt à mourir, hein. J'ai plus qu'à l'achever, j'ai envie de dire. Et je vais lancer les hostilités pour terminer la chasse. Voilà. Il faut vraiment être sans pitié dans Monster Hunter. C'est un jeu de chasse. Même si les créatures ne vous ont rien demandé, il ne faut pas se priver.
Voilà, et vous voyez que le jagras que j'ai apprivoisé, mon panico l'utilise comme monture et attaque avec. Avouez quand même que c'est tout à fait extraordinaire. Profondeur de gameplay, toutes les situations changent. Je suis certain qu'on peut faire la chasse 2-3 fois, on va jamais avoir la même issue. Donc voilà, ici la chasse est terminée. Le grand Jagras a succombé à mes coups. Bon, c'était pas bien difficile, on voit bien que c'était une chasse débutant. Il me reste plus qu'à dépecer toutes les créatures que j'ai vaincues. Vous voyez, j'ai un temps aussi hein, pour ramasser mes petits trophées. Donc, je vais récupérer toutes les peaux, toutes les choses que je peux obtenir. Et une fois cela fait, ça clôture la quête. Et alors, chose intéressante dans cette bêta, lorsque l'on terminait une quête, eh bien, on débloquait certaines choses. Voilà, pack de mission obtenu. On a le pack de la commission qui sera disponible dans la version finale du jeu. Donc ça, c'est très sympa. Alors ici, on se retrouve dans la deuxième chasse, la chasse intermédiaire. Et là, c'est le baroque. Et vous allez voir que ça va pas être aussi facile que la première. Là, on vient déjà dans du monstre un petit peu plus coriace. Alors vous voyez dans son design qu'il va attaquer vraiment beaucoup avec son crâne, parce que il peut tout défoncer sur son passage, aussi bien s'il y a des rochers devant lui, il va tout arracher devant lui. Donc là ici, petit changement, j'ai voulu changer d'arme, j'ai pris les doubles épées. Et bon, avantage, je peux taper beaucoup plus rapidement avec, mais je fais beaucoup moins de dégâts. Et après coup, je me suis rendu compte que ça m'a pas beaucoup aidé pour ma chasse. J'aurais dû rester sur une arme lourde, je pense. Parce que bon, c'est plus quand vous affrontez des monstres rapides. Ici, le monstre est assez lent et puissant. Alors, au niveau du gameplay. Ouais, ici j'étais étourdi. Voilà, il en profite pour m'asséner un vieux coup. Au niveau du gameplay, je n'ai pas trop parlé. Vous avez au-dessus, à droite, chaque fois lorsque vous utilisez une arme, eh bien, les possibilités de combos, etc., qui sont affichées. Pas de combos, mais de touches qui sont affichées. Sachez qu'il y a un menu entraînement qui vous apprend tous les combos de chaque arme. Ça, c'est vraiment très intéressant. Le jeu est ultra complet. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, chaque type d'arme a généralement deux positions d'attaque. Ici, je peux mettre en position démon. Et voilà, c'est ce que je viens de faire ici. Et ça change un petit peu ma palette de coups. Je peux varier mes combos et faire de plus en plus de dégâts. Vous voyez, ça me donne un style aérien qui me permet de passer sur le dos de l'adversaire qui est un de ses points faibles. Là, je l'ai bien couché et j'en profite pour lui asséner vraiment énormément de dégâts. Alors, notez ici que j'ai aussi une créature qui m'a rejoint. Donc, j'avais battu un groupe de créatures avant de m'y rendre. Et voilà, j'ai cette créature qui m'accompagne un petit peu comme on l'a vu dans la première chasse. Donc voilà, ici vous remarquez que la créature se laisse déjà beaucoup moins faire. Croyez-moi, c'était pas très évident. Alors, au niveau de la caméra, donc vous la gérez bien évidemment avec les deux sticks, hein, vous déplacez votre personnage, vous bougez la caméra avec l'autre stick. J'ai noté dans certaines zones fermées que, comme d'habitude pour ce genre de jeu, que la caméra était parfois un peu trop proche. C'est nécessaire de la réajuster assez souvent. Mais globalement, honnêtement, c'est ultra réussi, quoi. C'est ultra réussi. Le seul défaut, ça, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement avec la taille des créatures. Vous voyez, si la créature est vraiment très proche de moi et moi je suis près de l'écran, voilà ce qui se passe. Ça devient un peu confus. Donc il faut reprendre un petit peu ses distances. Mais difficile, je pense, de gérer ça autrement. Vous avez vu ici, mon palico, il m'a donné une potion gratuite, ce qui a fait remonter toute ma vie. Vous avez, et bien évidemment, des potions qui sont disponibles. Ici, j'en avais chaque fois 10 en commençant la mission. Je suppose que dans le jeu complet, il faudra faire ses propres provisions avant de partir.
Donc voilà pareil, la créature a subi beaucoup de dégâts. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'enfuit lâchement pour essayer d'aller récupérer un petit peu. Vous voyez que là, elle saute au-dessus des ravins. Donc c'est vraiment extraordinaire. Ils ont une intelligence artificielle vraiment très 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 élevée. Et je poursuis mes lucioles. Vous voyez que je ne traîne pas pour éviter qu'elle aille se soigner. Alors le timer me dit qu'il me reste 10 minutes pour l'achever. Passé 10 minutes, la chasse est perdue. Alors si vous mourrez, ça dépend des missions, je pense. Mais ici, j'ai vu qu'on pouvait mourir plusieurs fois. Plus vous mourrez, plus vous diminuez vos récompenses en fin de chasse. Donc si vous réussissez une chasse sans mourir, vous aurez la plus haute récompense. Vous voyez ici qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il va se rouler dans l'eau pour se régénérer. Voilà, il se roule dans l'eau et ça lui a fait aussi, j'ai l'impression, comme une cuirasse sur le dos, ce qui m'empêche de lui donner des coups un petit peu comme je veux. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, donc là il reprend un petit peu du poil de la bête et il m'a mis totalement KO. Lorsque vous êtes étourdi, ben, il faut faire retourner votre stick gauche pour récupérer. Chose que je n'ai pas dite, quand vous êtes en train de prendre une potion, si vous faites une roulade, etc., au moment où vous prenez la potion, eh bien la potion est perdue, quoi. Donc, il faut vraiment attendre que la potion soit utilisée complètement pour en profiter vraiment beaucoup. Et même chose, si votre adversaire vous tape au moment où vous prenez la potion, ben boum, ça s'arrête et la potion est perdue. Ça, c'est une petite notion de difficulté qui a été rajoutée. Donc ici voilà, et je l'ai couché, j'en profite pour l'asséner de beaucoup de coups, pour l'affaiblir encore plus. Alors il y a toujours une petite marge de suspense quand vous jouez à Monster Hunter, c'est que vous ne voyez pas la jauge de vie de l'adversaire. Ça a toujours été comme ça et ça restera toujours comme ça. Ça fait partie de la chasse. C'est dans ces aptitudes que l'on voit si s'il commence à mourir, ce qui vous fait que parfois ben, vous êtes au bord de la mort, vous ne savez pas s'il vous reste encore beaucoup de coups à asséner. Et quand vous voyez la créature tomber, ben, vous êtes tout heureux, quoi, parce que vous attendez pas toujours que vous avez gagné cette chasse. A contrario, ben, ça peut également décourager parce que vous vous dites, mais quand va-t-elle mourir? Donc là, on voit qu'elle est vraiment au bord du gouffre, elle se réenfouit pour aller chercher un autre point d'eau. Voilà, c'est une créature qui visiblement aime le point d'eau. Voilà, très très mal en point. Vous voyez qu'elle boite vraiment sévèrement. Vous voyez aussi que la créature agit sur l'environnement, hein. C'est assez dingue. Voilà, ici pareil, il rentre dans l'eau. Et j'en profite pour aller l'attaquer. Vous voyez qu'il s'est refait une cuirasse et je ne peux plus l'attaquer maintenant à cause de cette cuirasse qu'il a fait sur son dos avec de l'eau. Et je ne peux plus l'attaquer comme je veux. Donc là ici, ben, je l'assène le coup. J'essaye de terminer la chasse parce que je sais que il a quand même pris pas mal cher. Et normalement, ça devrait être la dernière zone pour pouvoir l'achever. Ici, elle a réussi à me faire valdinguer et me faire envoyer dans les espèces de glaire qu'elle crache, ce qui me bloque également. La créature profite de ça, de me bloquer dans ces espèces de glaire et ensuite pouvoir m'asséner un gros coup. Et que mon palico fait quand même du travail assez sympa, ça m'aide beaucoup. La créature aussi le distrait et m'aide pas mal. Et voilà. Le dernier coup est asséné, la créature est vaincue et la chasse est réussie. Et comme tout à l'heure, il ne me reste plus bah, qu'à récolter mon dû en dépeçant la bête et en récoltant un maximum de choses. Donc dans Monster Hunter, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous faites des chasses, vous gagnez des récompenses, mais aussi vous récoltez aussi beaucoup de choses. Parce que dans le jeu, il vous sera demandé de ramener beaucoup d'objets chez les forgerons, etc., pour pouvoir acheter de nouvelles armes. Donc c'est très très complet et il y a moyen de passer
mais un temps de dingue sur ce genre de jeu. Donc voilà, vous avez toujours le temps global. Ici, j'ai mis 13 049 pour réussir la chasse. Donc c'est quand même assez long pour une chasse intermédiaire. Alors ici, nous arrivons dans la chasse, ben, difficile. Et croyez-moi, j'ai eu difficile. Le voilà le Han Janat qui se repose tranquillement. Voilà, c'est lui que je dois chasser. Donc il n'a rien demandé à personne, mais pas de bol pour lui. J'ai une mission, je dois le tuer. Alors lui, je me souviens, il déposait des mucus. Et c'est avec ces mucus que j'ai pu le retrouver. Donc voilà, je lance le combat. Là, c'est parti. Cette créature fait énormément de dégâts. Au niveau du gameplay, je suis retourné sur la grande hache. Parce qu'elle a deux positions, une position arme lourde qui me plaît pas mal. Donc voilà, ici, ben, il décide de s'enfuir parce qu'il n'a pas envie de se faire embêter. Vous avez vu ici les deux positions de l'arme. Voilà, il se met dans une zone plus ouverte pour être plus à l'aise pour m'attaquer. Parce que dans la grotte, vu qu'il est imposant, il ne pouvait pas se déplacer comme il voulait. Et il m'a pris dans sa gueule ici, vous voyez, c'est super bien fait. Voilà, et voilà, c'est quand même extraordinaire, quoi. J'ai de nouveau un Jagras qui est là avec moi pour m'aider. Regardez les dégâts qu'il m'a fait en deux coups, il m'a enlevé une demi-barre. Alors j'en ai pas beaucoup parlé, vous avez la jauge d'endurance qui est en dessous de la jauge de vie. Évidemment, plus vous attaquez, plus vous faites des roulades, etc. Plus vous diminuez votre jauge d'endurance. Et c'est important évidemment de jouer là-dessus, parce qu'une fois que vous avez plus d'endurance, vous êtes essoufflé et vous êtes totalement à la merci de la créature. Alors, vous allez voir que cette chasse va nous amener à des situations assez inattendues. Alors vous voyez ici, la créature, ben, elle a changé un petit peu. On a vu que ses poils se sont hérissés. Voilà, elle devient en colère. Et vous allez voir qu'elle va encore se métamorphoser par la suite. Donc, de nouveau, hein, j'en refais la remarque. La qualité visuelle et surtout la qualité d'animation de la créature, c'est quand même... on se croirait dans Jurassic Park. Vous voyez ici, elle rentre dans une colère terrible et elle a fait sortir des ailes sur son dos là. On le verra peut-être mieux après. Donc il est temps pour moi de me soigner. Voilà, elle m'étourdit avec son cri et hop, elle essaye de me foncer dedans. Si j'avais pas esquivé le coup, eh bien j'aurais ramassé beaucoup de dégâts. Alors, elle m'a fait des dégâts de feu, voilà, mais comme j'avais une armure qui protégeait pas mal du feu, ça n'a pas eu trop d'incidence. Voilà, elle crache du feu, ses ailes sont déployées, là elle est au max, j'ai envie de dire. Totalement en colère. Et voilà, elle en a un petit peu marre et elle décide d'aller voir un petit peu ailleurs. J'en profite pour me soigner tranquille et de reprendre un petit peu la traque. Voilà, comme d'habitude, les lucioles sont là pour m'aider et je retombe rapidement dessus. Le combat peut reprendre. Ici, grâce à un beau coup bien placé au niveau des pattes, vous l'avez vu, j'ai pu la faire valdinguer au sol. Mais j'en ai pas trop profité. Je suis arrivé dans une zone où il y avait d'autres créatures qui sont venues un petit peu se mêler. Voilà. Alors parfois les créatures que vous rencontrez, même si elles ne sont pas dressées par vous, elles peuvent soit vous attaquer aussi, mais aussi attaquer la bête. C'est un petit peu la vie sauvage qui suit son cours. Et vous êtes là au milieu de toutes ces créatures, vous devez un petit peu tirer votre épingle du jeu. C'est parfois un peu surprenant. J'ai pu lui faire pas mal de bons coups. Voilà, vous voyez que comme d'habitude, ses attaques sont assez lourdes. La main fait voler mon petit compagnon. Là, je suis assez mal. Voilà, j'essaie de prendre de la hauteur et de me soigner. Mais là, vous avez vu, j'ai pas eu le temps de prendre ma potion complètement.
La bête m'a attaqué, ben la potion a été perdue, quoi. Alors vous pouvez aussi déployer des pièges, etc. C'est impossible de vous parler de la totalité du gameplay d'un Monster Hunter en 30 minutes. Il faudrait passer plusieurs heures pour vraiment en faire le tour. Ouais, ici j'ai pu me mettre en hauteur. Et qu'est-ce que je fais? Une fois que je suis en hauteur par rapport à la créature, je saute dessus pour pouvoir m'agripper. Voilà, je dois résister avec R2. Et je peux lui asséner des coups. Voilà, et là je vais faire très très mal. Voilà, je lui assène une grosse technique élémentaire qui lui fait super mal. Je la couche et je peux continuer à lui infliger beaucoup de dégâts. Ça va. Cette phase ici m'a quand même pas mal aidé dans la chasse. Et voilà, avec tout ce qu'elle a pris, on voit qu'elle commence à sérieusement boiter. Elle a décidé de s'en aller. Et là, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Parce que la créature, quand elle s'enfuit, elle ne s'enfuit pas n'importe où, quoi. Vous verrez où ce qu'elle va nous emmener en fin de chasse, c'est assez extraordinaire. Donc ici, ben voilà, elle a décidé de me réattaquer. Elle s'est retournée tout d'un coup, elle m'a réattaqué. J'essaye de lui mettre des petits coups. Alors ici, je regardais un petit peu ce que j'avais comme potion, parce que j'arrivais à coups de potion de soin. Alors ici, comme tout à l'heure, souvenez-vous, la créature s'est emmêlée dans des lianes. J'en profite pour lui asséner quelques petits coups, bien que j'en ai pas totalement profité. Et là, on sent qu'elle commence à faiblir très fort. Alors, temps restant 5 minutes. Ça, je vous avoue, c'est assez stressant quand vous voyez ça, parce que ça fait déjà un quart d'heure que vous luttez. Et quand vous voyez 5 minutes, vous vous dites, ben, si j'y arrive pas à l'achever en 5 minutes, eh bien, la chasse est totalement perdue. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide justement de s'en aller dans une espèce de petit couloir. Et là, je me dis, mais où va-t-elle m'emmener? Bien, on va vite se rendre compte qu'elle ne prend pas cette route par hasard. Souvenez-vous, la première créature nous avait amené un petit peu dans son nid. Et ici, ben, on va se diriger vers l'antre de la créature. Voilà, ici, j'avais perdu un petit peu mon chemin. Les lucioles, c'est pas grave, sont là pour me remettre sur la bonne route. Je continue à grimper. C'est une certitude, la créature est passée par là puisque les lucioles me l'indiquent. Et j'arrive dans une nouvelle tanière où la créature a décidé de se reposer pour reprendre des forces. Vous avez vu? Elle s'est posée tranquille pour reprendre des forces. Donc ben, je décide évidemment de l'achever. Et là, grosse surprise, la créature de la première chasse qui vient s'inviter à la fête. Alors, ben, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle va attaquer un petit peu tout le monde. Elle va m'attaquer moi, elle va attaquer l'autre créature. Ça va être un petit peu la foire avec toutes les créatures qui vont se battre l'une avec l'autre. Vous remarquez quand même, avec la taille des sprites, il n'y a aucun ralentissement quand même. Quand je reste ultra fluide. Ça, c'est vraiment super agréable. Par contre, là, vous avez vu dans la zone fermée que je vous expliquais tout à l'heure avec la caméra et les grandes créatures. Voilà, regardez. La caméra, voilà un petit peu. Ben, ça, c'est difficile à gérer, je pense, hein. La caméra essaie de donner une transparence pour qu'on puisse toujours voir notre personnage, mais quand bien même, c'est pas évident. Donc voilà, ici, je continue à essayer de l'achever. L'autre créature, ben, elle est restée quelques secondes, ensuite elle est partie. Sans doute pas intéressée par le combat. Voilà, mais il y a encore d'autres créatures qui sont là. Et là, on va se diriger tout doucement vers la fin du combat. Vous voyez que il y a des zones où je tape avec l'épée, ça ne fait aucun dégât, ça fait ricocher mon arme.
Ça veut dire qu'il faut vraiment taper sur des endroits bien précis. Ici, j'ai pu lâcher ma grosse technique au bon moment, ce qui a finalement terminé la chasse de niveau difficile. Et j'ai pu récolter tout ce que la créature va me donner et les récompenses de cette mission. Donc vous l'avez vu, Monster Hunter, c'est quand même un jeu ultra ambitieux. Donc, je l'avais placé en quatrième position dans mon top d'attente 2018. Ça me réconforte dans mes choix. Parce que je suis certain qu'on ne sera pas déçu. Le jeu est super complet, super beau. Et moi, je voulais absolument vous faire part de mes impressions qui sont tout simplement super élevées, quoi. Très très bonnes impressions de ce jeu. Merci de m'avoir suivi. Faites chauffer les consoles. A plus, à plus.